Semble aussi que ça sentait. Mais j'étais peut-être folle. Quoi? Je vais te croquer! Bon, on recommence ta affaire là. Donc, un C. On dit que je suis pas bonne. Un algorithme pilote les fonctions motrices de la poupée. Il exploite les données de votre profil pour... Les absorbeurs mémoriels sur la puce comportementale de la poupée l'empêchent de se souvenir de la séquence. Alors il restera aucune trace de la rencontre? Eh bien, je pourrais vous dire que oui, mais il n'y aurait plus... Une fois à l'intérieur, c'est vous qui ferez les règles. C'est pas dangereux, mais il y a une part de risque. On peut le formuler ainsi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'obtient jamais ce à quoi on s'attend. Vous piquez ma curiosité. Mais en français, ça sonne bien, hein. Ok. 72 balles! On va mourir, mais c'est pas grave. Ta gueule! Non. Non, je vais te fumer, salope!
t'aide. Ok. Y'a-tu d'autres losers à tuer, là? Je vais la décapsuler! Ah ouais, sort de ton trou. Hein? J'en ai-tu looté un autre? Ah. Bon, il y avait une barre. Faire une balle à la Ça pue la merde! C'est en sortant de cette affaire-là que ça a bugué hier. J'étais même plus capable de bouger rien. Là, il détecte des ennemis puis il n'y en a plus, genre. Je la comprends pas. Ok, tu te regardes vraiment dans le miroir, là? Moi, je pensais que c'était autre chose. Pourquoi je suis rendu chauve? Non? Je suis rendu chauve. Check. J'ai un chapeau pis tout, là.
Chris, il gueule comme s'il était à côté de moi, il y a fuck all le monde, genre. I mean, shut up! Ah, oh, there you are. Ok, soigne-toi, ça. Moi, mon minigun, là. Check les beaux guns que je viens de me pogner. Attends, non, ça, c'est un pistolet, attends. Viens, donne-moi ça. Ça, ça a l'air de bien tirer. J'ai des crises de caméra. This is not what I wanted to do. Turn off. Merci. Du calme, t'auras pas d'ennui. Je veux juste qu'on cause un petit peu. Où est Evelyn? Je dois lui parler dès que possible. C'est important. Vous avez un problème avec elle? Non. Tu sais où elle est ou pas? Elle est pas ici. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle répond pas. Il paraît qu'elle se fait poser une nouvelle plaque faciale dans une clinique à Osaka? Non, Oslo. Ouais, c'est ça. Attends, c'est Osaka ou Oslo? Oslo. Oui, oui, Oslo, c'est ça. Est-ce que c'est Evelyn elle-même qui t'a dit qu'elle partait? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et c'est là c'est qu'il buggy. M'a dit qu'elle était partie. Ça dit que j'étais encore en combat, puis que t'entends encore des... comme du monde qui veut me tuer, mais y a plus personne. Genre, je les ai toutes tuées. Ce Woodman, c'est qui? Monsieur Forrest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce Monsieur Forrest, c'est qui? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents, il règle les problèmes. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel? Peur, toi. Ah, on peut Johnny. Toujours rêver. L'éponge dans le crâne hey, Johnny de ses poupées. Boy. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. Fini? Madame fait peur. Fait que j'ai buggé drette ici hier. Sur celle-là. Fait que je vais pas la refaire. Non, fais-le pas. Si tu joues, non, fais-le pas. Non, je veux pas qu'il le fasse. Je veux pas saver, il dit qu'il me reste du monde à tuer tandis que j'ai tué tout le monde. Lol. Thank you.
est mort. Ouais, je suis devant. Faudrait que tu me laisses rentrer. C'est quoi qu'il demandait? Force ou... technique, ok. Je pense pas que je peux augmenter. Colin. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Je vais... C'est moi qui pose les questions. Lâche ton crasheur et commence à parler. Mais pas de baratin, surtout. Et je t'ai demandé de lâcher ton arme. Oh... Je lâcherai que dalle. Ben là, mais pas... C'est bien que la... C'est plus si arrangé, mais bon, on comprend. Non, c'est ça, il faut que tu fasses un frappe au frappe, genre. C'est vraiment bien que ça. Je veux bien le défait, mais je vais mourir un jour. Alors toi, t'es championne pour tout faire foirer. Tu m'aides pas, là. Et maintenant? Bah, je sais pas, scanne ses yeux de poisson. T'y trouveras peut-être la vérité. Ou alors, ils sont PC. Ça pourrait marcher. Il l'a vendu. Tu finis de me faire peur, toi. Sa puce était foutue. Il a peut-être envoyé pour la faire réparer. Un charcudoc appelé Fingers. Dans une ruelle de putes. Ça doit faire fantasmer toutes les putains. Koya! Mais Théo! Esti, j'ai tué tout le monde!
早くその女を殺せ。やるよクソが。Comment ton katana? Ah ouais, c'est prêt le katana. On va en tuer une coupe 2,90. Ça va être un beau katana, ça. Ça, puis là, après ça, on va prendre ça. Toi, t'as des balles. Toi, t'as... Oh, 140 balles! Ok, tu vas reprendre ça, ma chère. Elle va se cracher après. Eh oui. T'es coyant. Hey, papa, t'es mort sur mon côté. Je vais te fumer, salope. C'est pas toi, je vais te tuer, t'as l'air. C'est ça, si, je les ai tous tués. Maudit niaisage. Oui, je les ai tués tantôt. J'ai commencé par en bas. Il y a même les vieux cadavres. Comment de la crosse? Je suis dans l'obligation de vous rendre vos armes. Même si ça ne me plaît pas. Je sais rien, moi. Je travaille juste ici. Je sais rien, moi. Je travaille juste ici. J'ai pensé à faire carrière dans la diplomatie. Excuse-moi, j'ai pas le temps de sucer des queues. Ah, je respecte ça. Bien sûr, c'est ça. Tu crevais d'envie de balancer une bombe sur ce club. Pas besoin d'être aussi radical. J'ai d'autres méthodes. Il y a un truc qui est sûr. C'est que les Ticlos oublieront pas ça. Je crois qu'elle est chez Fingers. Qu'on va la trouver là-bas. Fais, si je pouvais voir l'avenir, je serais pas un putain de fantôme sur une puce dans le cerveau d'un cadavre ambulant.
T'as carrément raison, en fait. Allez. Hein? Je l'ai eu finalement, si il a arrêté de bugger. Ben, j'ai pas recommencé au complet. J'ai commencé parce que j'ai laissé le jeu. Watson Hall. New episodes every Wednesday at 10. Only on WNS. Feeling tired? Bored? Powerless? Not anymore. Experience all of Chromanticore's 16 new flavors and mix it up! Rien. Mais... T'avais un plan, t'as essayé, ça a foiré. Maintenant, t'es au point mort. Et t'as pas l'air en état de courir après Hellman. Oh, putain! Qu'est-ce qui se passe? Fais chier, merde! Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain, ça avance pas assez vite! Tu vas crever avant qu'on apprenne comment se débarrasser de la puce! Si je me souviens bien, ça t'arrangerait que je crève! Putain, mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé d'avis! Je veux que tu vives. Je te l'avais déjà demandé, mais... qu'est-ce que t'attends de moi? J'ai eu un laissez-passer gratuit pour sortir de prison. Ce serait quand même con de pas en profiter. Ça fait 50 ans que j'attends de régler mes comptes avec Arasaka. Et j'ai bien l'intention de le faire. Et pour ça, je vais avoir besoin de toi. C'est la première fois qu'on me propose d'entrer dans une cellule terroriste. Écoute, je suis flatté. J'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie. Et qui peut nous aider? Toi, on t'enlève la puce, et moi, je démolis Arasaka. Tout le monde y gagne. Mais il nous faut le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi. Ok. Alors c'est quoi au juste, Mikoshi? Ouais, c'est quoi? Ok, je t'explique. Si t'es connecté, et que tu surfes sur le net, Arasaka peut lâcher son IA, le tueur d'âme, pour piéger, griller et emprisonner ta psyché, ton esprit et ton âme. C'est bon, t'arrives à suivre? Ouais, j'ai vu tes souvenirs. Ils t'en ont fait baver. Ok, il va falloir qu'on discute de ça et d'autres sujets aussi, mais c'est pas le plus urgent. Bref, quand le tueur d'âme te fume la cervelle, tu meurs. Mais avant ça, le contenu de ton esprit est copié sur un engramme. Bien sûr. C'est comme ça que t'es devenu un construct. Exactement. Et c'est depuis Mikoshi que le tueur d'âme opère. C'est là qu'il stocke les engrammes de ses victimes. Il y en a une dans les mains, puis il y en a une qui flotte là. Il y en a deux smoke, genre. Je vois toujours pas ce que Mikoshi a à voir avec mon problème de puce. Toi, on peut pas dire que tu sois une lumière. Hein. Dieu, mais... Les expériences sur le cerveau humain, il y a 50 ans. Mikoshi est le seul endroit sur Terre où ils ont fait ce genre de truc. Et ça doit encore être le cas. L'écraser à terre, on prend celle-là, tout. C'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va régler nos problèmes. Toi et moi. Et comment tu comptes détruire Arasaka cette fois? T'as une autre bombe planquée quelque part. Cette fois, la bombe s'appelle Alt Cunningham. Je suis censé savoir qui c'est. Pas encore. Mais tu le sauras quand on aura trouvé ce qu'il nous faut. En attendant, on n'a pas de temps à perdre. On doit entrer dans Mikoshi.
faire. Le tuyau cassé dans notre bloc. J'espère que pas loin ton affaire parce que avec crevé avant. La mairie ont toujours envoyé personne pour le réparer. Surveille ton langage. Tu vois pas à qui tu t'adresses. Ça va être lent. Eh là là. Ah, ok, je carry trop d'affaires, attends. Je pensais que c'était parce qu'elle s'est faite péter. Oups! Badayu est un peu nonon. Pourquoi pas? Une brassière. Pourquoi je me promènerais en brassière? Bon. D'armes. Oui. Je dois reconnaître que cet endroit est carrément mortel. Eh, au moins ici, tu sais pourquoi tu payes. That's it? Y'a un autre à dire? Non? Ok, bye Johnny. Johnny buggy, bye. Je pense à croire que Johnny est buggy. Comme ça. T'as un problème? Ah, faut le savoir. Voilà. Je cherche quelque chose de brut, pas retouché. Je vends que du brut. Qu'est-ce que vous aimez? Je veux un truc puissant qui retourne le cerveau. J'en ai pour tous les goûts.
Boxe à main nue, fusillade. Non. Voyez. Fétichiste. Non, allez. Vous savez de quoi je parle? Non, je sais pas. Vous croyez que je ferais ce boulot si je pouvais lire dans les pensées? Je veux savoir ce que ça fait de... tuer quelqu'un. Ok, tu veux savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Ok, pourquoi pas. Hé, la touche pas. Je crois que tu me fais peur, petite pute. Ferme-la. Tu feras beaucoup moins de malin quand les mobs débarqueront dans ce trou. Si c'est une histoire de pognon, va au tribunal, face de cul. Dégage. Tu t'es déplacé jusqu'ici, hein. On a tous nos tu dois vraiment avoir mais envie de parler à Evelyn. Et tu pourras te barrer où tu veux. Pardon, hein. La queue, c'est par là. Non, 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 tu gruges pas. Tu t'assieds Fingers. Et t'attends ton tu tour. Tu connais. J'ai entendu des trucs, ouais. Du genre... Sa main a juste tendance à ripper. Quoi? Arrête, tu viens de sortir ce chiffre de ton cul. Judy? Qu'est-ce que tu fais là? La même chose que toi. Je cherche Evelyn. Qui a payé pour tout ça? Tu crois que Fingers aurait réparé une plaque faciale fendue gratos? Rembourse-moi si tu veux te barrer. Comment tu savais qu'Evelyn était ici? J'ai des amis ouais. Au Cloud. Les rumeurs se répandent plus vite que la ch'touille là-bas. Ce qui veut dire? Un pote m'a dit ce que t'avais découvert, et je suis venue. Après le casse, Evelyn est restée avec les Mox pendant un moment, non? C'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'elle est retournée au Clouds? Elle pensait qu'elle y serait plus en sécurité, va comprendre. J'ai essayé de la raisonner, mais elle a pas voulu m'écouter. Soso! Soso, il est comme bro. Papa, il est là, pour une fois, j'ai recollé papa. Gentil. Il est gentil, hein? Allô, non? B. Ton la pote. Terre appelle V. Oui, exactement. Ouais. Tom Caldera. Il bosse comme poupée là-bas. Il s'est jamais donné la peine de me dire qu'Evelyn avait disparu quand on s'est parlé. Jusqu'à ce que tu viennes poser des questions. Ça l'a fait cogiter. M'a pas donné l'impression d'être une lumière. Désolée, mais pour l'instant, j'en ai un peu rien à foutre de tes impressions. On pourrait se concentrer sur Evelyn. Je commence à être vraiment inquiète. Les Mox en auraient pas après Fingers, par hasard? Non, pourquoi? Il paraît que les gagneuses ressortent de sa clinique encore plus amochées qu'en arrivant. Ouais, bah... On peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Je sens qu'on va atteindre des plombes. Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elles? Pourquoi moi? J'ai l'impression qu'elles m'aiment pas trop. Allez, essaie! Ou alors trouve une meilleure idée. Tu penses qu'Evelyn est quelque part, ici? D'un côté, j'aimerais bien, parce que je veux la retrouver vite. Mais de l'autre, j'espère que non, parce que j'ai peur de ce que Starry a pu lui faire. Tu tiens beaucoup à Evelyn, pas vrai? Je me demande comment t'es arrivé à cette conclusion. C'est simple, t'as rappliqué à la seconde où t'as su où elle était. Quand t'as appris à connaître Evelyn, tu peux plus la lâcher. Tu bossais aux classes avant? J'étais pas une poupée. Je réglais leurs vertus. C'est là que j'ai rencontré Eve, Tom et tous les autres. Vous avez vu une femme avec les cheveux bleus? Elle a une puce de poupée. Je crois que je vois de qui tu veux parler. Fingers l'a opérée, c'est sûr. Elle est toujours là? Aucune idée. Va lui demander. Ma pote, là, elle va vraiment pas bien. Vous pourriez nous laisser passer juste cette fois? Bien sûr, mon chou. Vas-y. Eh oh, attends un peu. Elle avait l'air en pleine forme il y a 2 secondes. C'est une coriace. Elle est pas du genre à se plaindre. Voilà, essaie d'ouvrir cette ravissante bouche, man. Ok, on y va. Et ma
maintenant? C'est mieux. Je peux-tu... force, c'est laquelle? Ok. Là, je peux défoncer la porte. Ah ouais, ouvre-moi ça, cette porte-là. L'ancienne propriétaire de cette plaque faciale avait un visage plus long que le tien. Les bords tirent sur des nerfs optiques. Allô? Je crois qu'il a fini. Aïe, là. On entre. À la longue. Ben, j'ai déjà ouvert la porte, chose. Certain, on rentre. Hey, c'est cool, cette douche-là. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je cherche une fille qui s'appelle Evelyn Parker. Je sais qu'elle est venue dans ta... clinique. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. Elle est où? Voilà une question des plus tendancieuses. Vous êtes des Tiger Claws? Je vous ai déjà payé. On est des Mox. Des Mox? Il fallait le dire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Ces filles savent que tu leur poses des implants défectueux? C'est votre opinion? Pour moi, c'est ce que je peux leur trouver de mieux. Et toi, t'y gagnes quoi? Ce qu'elles ont à offrir. Et elles ont toujours quelque chose à offrir. Tu me files la gerbe, tu le sais ça? Ouais, moi aussi. Vous cherchez... une amie? Paraît que t'aides les gagneuses du quartier. Eh bien, aucun enfant ne veut de jouets cassés, alors... Une peau flasque, des portes qui bougent, des implants en panne, c'est... Enfin, je pense que vous voyez. Ok. La base du commerce, c'est d'obtenir la qualité pour laquelle on paie. Arrête ton char, on trouve du meilleur matos dans une décharge. Sable aussi que tu contrôles pas de char, moi. Je te l'ai déjà dit. Moi, je suis pas folle. Je cherche une femme qui s'appelle Evelyn Parker. Je veux savoir où elle est. Je pensais que t'étais sur Yakuza. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Beaucoup de filles passent par ici. Vraiment beaucoup. Mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle. Ça, tout le monde vous dira. Je suis plus qu'un simple charcutoc. Je sais ce que les gens veulent vraiment. Être flatté, complimenté, avoir le sentiment qu'ils le méritent. Évidemment, je ne peux pas me souvenir chacun de son look, chacune là, mais moi je le trouve vraiment à l'aide. Même s'il s'agit d'un spécimen aussi ravissant que vous, je vous en prie, il est fucking posez vos ravissants derrière. Quoi? Ah, merci pour une bougie. Concentre-toi, V. Forrest, ce nom te dit quelque chose? Non. On le surnomme Woodman. Il bosse à la maison de poupée. Vous lui avez parlé? Non, on a fait semblant. J'aimais pas comment il me parlait. Alors je me suis assurée qu'il l'ouvrirait plus pendant quelque temps. Toi non plus, je t'aime pas trop. Alors fais gaffe à ce que tu vas dire. Pauvre petite. Ouais. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. Tu dis que t'as pas pu l'aider. Mais l'aider à quoi, exactement? Si seulement je le savais, elle se tiendrait sûrement là, en parfaite santé. Le registre d'instruction sur sa puce était grillé. J'ai essayé de le remplacer... en vain.
Les dégâts ont été causés par un Netrunner avec un malware perso. Ça semble logique. Abrège, tu veux ? Abrégé ? Oh. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit, ces conneries ! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers ? Écoutez, soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Calme-toi, Judy, tu facilites pas les choses. Laisse-moi gérer ça. Bon, Evelyn Parker, elle est où ? Elle pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des DS Underground. C'est tout ce que je sais. T'es sûr de toi ? Elle est restée ici 4 jours. Elle était complètement amorphe, totalement coupée du monde réel. Ce n'était pas une soirée pyjama avec bataille de polochons ou promesse de s'envoyer des cartes postales. Bataille de polochons et tabarouette. J'en sais rien. Je ne regarde pas ce genre de choses. 19, DDSX. Puisque je vous dis que je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Vous me plaisez bien. Vous êtes énergique, intrépide. Quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'aider, la remettre sur pied, j'ai appelé ma fixeur. 2 hommes sont venus la chercher le jour même. T'as appelé qui ? C'est qui ta fixeur ? Wakako. Je lui ai dit que j'avais une poupée cassée avec un implant de DS. Ils l'ont emmené où ? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Il n'était pas très bavard et je ne suis pas un pommard. Je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individu. Toi, t'es pas un pommard ? À ton avis, pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter, toutes ces filles ? Tu crois que c'est pour ton charme ? Ta gentillesse ? Non, c'est parce qu'elles ont pas le choix. Et au bout du compte, elles te méprisent. Et elles te trouvent... pathétique. Ces types, ils ressemblaient à quoi ? À vous, à moi, à n'importe qui dans cette ville. Non, sérieux ? Ils te ressemblaient ? C'était le genre de type qu'on ne regarde pas dans les yeux. L'un des deux avait une barbe. Les deux types qui sont venus la chercher, ils ont pas dit où ils l'emmenaient ? Ce qu'ils allaient faire d'elle ? Ils en parlaient de vertu avec un papillon, il me semble. Ils disaient qu'elle serait parfaite pour ça, mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là. C'est tout ce que je sais, juré. Tu t'es débarrassé d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé. Eh bien parce que c'était exactement ce qu'elle était. Je peux-tu le tuer ? J'ai besoin d'air. Je sors. C'est... un peu emporté. Elle a les nerfs à vif, en ce moment. Oui, mais vous semblez bien plus raisonnable. Et plus mignonne avec ça. Can I kill you now? I'll be happy to do it, though. Can I? Ne vous excusez surtout pas! Ah... Oh. Ah non, je vais pas échouer ma mission, je lui bug déjà assez. Je l'ai laissé retourner au cloud. J'aurais pu l'arrêter, mais je l'ai pas fait. Et vous deux, vous aviez l'air de bien vous entendre. Vous avez pas échangé vos numéros aussi ? Vous êtes bien les mêmes, tiens. On pourrait éviter de s'énerver. J'ai dit ce qu'il fallait pour avoir les infos qu'on voulait. Vraiment ? Je t'ai trouvé bien indulgente avec lui. Il s'en est tiré trop facilement. Tu peux me croire, Judy. Des raclures de chiottes, j'en crois un bon paquet tous les jours. Je suis content. Et en comparaison, Fingers est un saint. V. J'ai même pas de mots pour te qualifier.
Ben, je peux aller le tuer, je t'ai dit. Mais tu me dis pas d'aller le tuer. T'en fais pas. On va la retrouver, j'en suis sûre. On va retrouver son corps en petits morceaux, ouais. Hé, hey, faut te reprendre, là. Tu vas pas renoncer maintenant, si? Non. Notre seule piste, c'est une DSX. Où est-ce que ça nous mène? On sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort. C'est toujours mieux que rien. Je partage pas ton optimisme. J'ai quand même l'impression qu'on a absolument que dalle. Le symbole de la tête de mort, ça te dit quelque chose? Même un truc insignifiant pourrait nous aider. Dans ce milieu... Tu sais, le marché s'intéresse à tous les fétichismes. C'est très vaste. Et une équipe de DSX doit être constamment en mouvement. Pour éviter de se faire choper trop facilement. Faut qu'on trouve où ils filment ces trucs. Ils doivent avoir un studio. Je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur. Ouais, ça doit être un endroit calme, bien isolé. On repérera peut-être un indice qui nous mettra sur leur piste dans leur vertu. À moins d'être de vrais pommards, j'en doute. Des vrais pommards ? Je sais pas ça veut dire quoi, mais bon. Qu'est-ce que t'as ? Tout le monde laisse des indices. Toujours. Ouais. Faut juste savoir où chercher. D'accord. Une chance que je me coltine la plus grande spécialiste de DS de la ville. Ça me fait une paire d'yeux aiguisés en plus. Bah, ton experte en DS a une meilleure idée. Il y a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet. Il s'y passe toutes sortes de trucs. On pourrait y trouver quelque chose d'utile. Il est comme plisse à la tête, genre. Laisse-moi réfléchir une seconde. Je vais essayer d'appeler Wakako. La fixeur dont parlait Fingers. T'as trouvé un angle d'attaque contre elle? Pourquoi il m'en faudrait un? Oh, même si elle sait où se trouve le studio, elle te dira rien. C'est trop risqué pour elle. Ok. Je vais acheter la danse sensorielle. On pourra l'analyser, jouer les détectives. Dac. En attendant, je vais voir si je... Gracieux et bon. Toi qui, à travers l'air noirâtre, viens nous visiter, nous qui t'énimes le monde de sang. Si le roi de l'univers nous était ami, nous le prierions de te faire peur. Prierions, ça se dit-tu? C'est que le TX-43 propose un avion de 15 fois supérieur avec une perte minimale en termes de résolution. Et pour ceux qui sont intéressés par la version premium, elle est équipée d'un implant sensoriel intégré. Mais de loin le plus important, hein? C'est que le TX-43 n'a aucun effet. Qu'est-ce que tu dis, Dom? Loot! Je veux du loot! Loot! Il y a le plancher, là, cette fois-ci. Good. Salut. La dernière fois, je suis rentrée ici, là. J'arrive ici, ici, il n'y a plus de plancher. Juste là, il n'y avait plus de plancher. Voyant en dessous de la map, c'était... Là, ouais. Salut. Tu voulais me parler? Yup, yup. Comment ça va, Wako? Tu essaies de m'amadouer avant de me demander un service craignos? Quoi? Ouais. Jamais de la vie. Dans ce cas, tout va au poil. C'est gentil de demander. Et toi? Je cherche une danse sensorielle. Oh? Une en particulier? Le logo sur la boîte. C'est un sphinx à tête de mort. Oh là! Tu joues avec le feu. Je te conseille de faire attention. Est-ce que le style de mission, c'est un peu la même que ça, genre? Ça règle les problèmes du monde. Ok. Tu sais qui les produit? Où elles sont tournées? Et toi,
Tu sais ce que c'est, le boulot d'un fixeur? Je vais t'expliquer. Non seulement je m'occupe des transactions, mais je peux aussi réussir l'impossible. Vendre ça, ouais, c'est-à-dire m'assurer que l'acheteur, le fournisseur et l'intermédiaire puissent faire leur boulot sans perdre la tête, au sens propre comme au figuré. Alors me demande jamais qui, combien, où, quand, comment et pourquoi. Est-ce que tu peux me trouver un de ces enregistrements? C'est quand même dark, là. Non, mais je connais quelqu'un qui devrait pouvoir. Et c'est qui? Il y a une boutique sur Jig Jig Street. C'est une vraie boîte de Pandore à l'intérieur. Ouais, demande au proprio. Ils savent pas où c'est flambé leur cage, mais qu'ils flambent leur cage en drogue. Hey! You there. Hello. J'avais le bouton talk il y a deux secondes. Est-ce que ça lag? Ok, laisse pas. Je pense qu'il y a juste trop de monde ici, fait que genre... Il y a trop de NPC. Oh, t'as déjà essayé du Rainbow Poppers? Du Popper Raze? J'ai toutes les couleurs qui existent. Le monde, il chialait pas qu'il y avait pas assez de NPC dans la ville. Je veux dire, j'en vois comme une vingtaine juste là. Ouais? I'm gonna try that. Hey! Bye, là! Ouais, attends, y'a quelqu'un qui veut me tuer, là. Where are you? Ben non, si quelqu'un vient pour me tuer, je vais le tuer moi-même. Et celle-là, elle fait quoi? Ah non, check, faut que j'aille dans un sex shop. Imagination. Bah, ou dans un boob shop. Non, non, c'est pourquoi ça, un sex shop. Oui, je vois ça. T'as pas que quand t'as un robot, t'as besoin de ça. Cherche un truc spécial. Une déesse. Fasse vraiment... Plutôt érotique? Non. Plus hardcore. Vous trouverez pas ça ici. Mais il y a un type sur Jig Jig qui a des produits spéciaux. Genre vraiment très spéciaux. Cherche un truc spécial. Plutôt érotique? Non. Vous trouverez pas ça ici. Mais... Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser? Si jamais... Non, ok. J'achète pas tes patentes de cochonneries. Je vais garder pour toi tes cochonneries. Hein? Et quoi, est-ce que c'est qui se passe ici? I just saw you kill like a bitch. You died too. Ah, tu sais, il faut que j'aille. Je vais aller au Polar Street et il me dit d'aller à l'autre en bas, mais je suis déjà là. Hey, tu me trolles que le tabarnak. Arrête de me troller là.
Bon, t'as débugué là? Non, tu rebugues. Oh, tu me tapes ses nerfs. Pourquoi tu me demandes de retourner là-dedans? Hey, hello! You got a barbe. Vous avez quoi? Des vertus. Des spéciales aussi? Ouais, on va dire ça. Ceux qui connaissent n'ont pas besoin de demander. Je cherche des déesses. D'un genre spécial. Spécial? Vous êtes flic? Les flics, c'est comme les gamins. Ils s'aventurent pas bien loin sans papa et maman. Ok, ok. On n'est jamais trop prudent. Qu'est-ce que vous voulez? Donnez-moi le top du top. Celle avec la tête de mort dessus. Je pensais pas avoir affaire à une connaisseuse. La tête de mort a un prix, vous savez? Y a pas de ristourne pour les nouveaux clients? Seuls les habitués ont droit à une ristourne. Si c'est trop cher pour vous, cassez-vous. Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser? Je peux savoir qui est votre fournisseur? Je croyais que vous étiez pas flic. Simple curiosité. Quand vous aurez lancé la vertu, votre curiosité sera satisfaite, croyez-moi. Les gens qui font ça, ils sont obsédés par l'anonymat. Ça m'a jamais traversé l'esprit de demander d'où elle venait. C'est probablement grâce à ça que je suis toujours en vie et que je vous parle en ce moment. Sauvé! Ton auto a été sauvé. Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser? A brain patente. Did I buy it? They work? Does it work? It work? Please tell me. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Ben, c'était juste 1000$, hein? J'ai plus d'argent que ça. Ah, by the way, je te vole ton stock. Ha ha. Ok, bye là! Il t'a pucé gratos! Arrête! Hé, mais pourquoi tu cours comme ça? Et t'as rien fait payer? Allez, monte! Ben, tu vas attendre une seconde là? Hein? Je peux les vol up 2 peaks point là. Hey, je veux ça. Ça avec. Fini. Ok. Là, j'embarque dans ton char. Avec l'inventaire. J'ai vu que j'avais une nouvelle veste. Oh, better. Is it prettier too? Oh yeah, it's pretty. Ok. Bye là. J'ai un chapeau japonais ici. Je vais être habillée en genre de ninja, genre. C'est drôle. Tu
Check. J'ai un chapeau de chinois. Salut, japonais, whatever. Je prépare tout. Toi, installe bien la couronne sur ta tête. Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel. On va bosser en tandem. J'attends plus que toi. Quand même, mais ça avec le chapeau. Je veux que tu me décrives ce que tu vois, au cas où un truc m'échapperait. T'as déjà joué? Ok, moi je te comprends d'être fatigué. Oh, regarde Tsuki. Oh, c'est ma dernière journée de travail. Après ça, j'ai une journée de congé. Le mode d'édition est prêt. Tu peux fouiller autant que tu veux. Des os, c'est sûr. Merci. Personne n'oserait se taper comme ça. Il y a un logo Electric Corp sur la combinaison. Une des os. Je pensais pas qu'ils tournaient les DSX en plus de couper les gens en morceaux. C'est la misère. Rien de tel que la bonne odeur du café synthétique bas de gamme. Il est froid. Mmh, back a slice. Une boîte ordinaire, avec le logo de Decker, Tanaka et Roger. Rien de normal. Est à fond. C'est sûrement pour couvrir les craies. J'ai déjà entendu ce genre de bruit. Ça doit être des désosseurs.
Ça fait actually vraiment peur. Genre, t'as l'impression vraiment que c'est toi. Oh my god. Ok, il faut que je fasse quoi là? Commandé récemment. Le café était froid. Il devait dater de la veille. La pizza, par contre, elle avait l'air fraîche. Et donc ? Ça veut dire que quelqu'un se fournit régulièrement chez Buck Slice. Il y a peu de chances que ce soit pour la fraîcheur ou la qualité des ingrédients. Leur pizza ressemble à du polystyrène. Personne va traverser la ville pour bouffer ça. Bon, ce qu'on cherche, c'est une centrale Electric Corp située près d'un Buck Slice. Electric Corp avait un complexe à Charter Hill. Et il y a un Buck Slice à côté. Mais comment être sûr que c'est là-bas? Bon, direction la vieille centrale Electric Corp de Charter Hill. Va falloir se contenter de ça pour l'instant, on tirera rien d'autre de cet enregistrement. J'ai répondu, Davy. Ah. Ce qui est... Ce qui est... Pas de temps à perdre. D'accord, je t'emmène. Ok, on y va. Alors en route. Je t'ai comme ok, mais go. Mais il faut bien qu'elle start son chat. Le même pas à me le sortir de la tête. Si... L'extrait de vertu qu'on a vu avec le sphinx à tête de mort. S'ils enregistrent que du snuff, alors. Arrête. Ce serait les derniers des pommards s'ils l'utilisaient bêtement pour du snuff. Qu'est-ce que tu veux dire? On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait. Et qui possède un implant de poupée, en plus. Franchement, on trouve pas ça à tous les coins de rue. Tu parles plus?
quelques voitures qui volent, mais genre, ils sont assez rares, je peux dire. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça y est, on y est. On entre ? T'es arrivé, là ? Attends. Tu m'as jamais dit pourquoi tu la cherchais. Comment je peux être sûre que tu lui réserves pas un sort pire que ce qui se passe là-dedans ? C'est pas le meilleur moment pour parler de ça. Ouais, c'est vrai. T'aurais dû me le dire la première fois que je te l'ai demandé. J'ai simplement besoin d'être sûre que tu lui veux pas de mal. C'est tout. Je veux juste savoir qui l'a engagé. Qui que ce soit, j'ai besoin de son aide, et vite. Autrement, je suis foutue. Je vois. C'est pas étonnant de la part d'une merc. Super. Bon, on peut y aller maintenant ? Trouve un moyen d'entrer. Ouais. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau, et voir s'il y a des plans du complexe qui traînent. Je te rejoins dès que j'ai trouvé quelque chose. On reste en connexion. Ça sera pas beau à voir là-dedans. Et alors ? Si tu veux me dire de rester à rien faire, te fatigue pas. Ok, j'entre. Force 9, ok. Est-ce qu'on va sauter par-dessus ? La 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 la. Oh. Pourquoi utiliser des trucs quand tout est déjà ouvert pour toi ? Ça peut être plus bon que ça, là. T'as tout pris à l'intérieur ? Presque. Comment ça, presque ? Prends une caisse et fous-toi le cul ! Prends ma pause, close. Bon, allez, t'as assez. Bah bouge-les toi-même si c'est si pressé. Je crois que personne a dû t'expliquer qui commande. Ça fait 5 ans que je désosse du gros, mais je te dis qu'on fait pas de pause. Bah j'essaye de stealth ça là, mais je pense pas que c'est très possible. Il y a trop de monde. Ils sont en tente pas de faire ça. A finalement connu un des moments heureux. Comme vous vous en souvenez, 35 mineurs se sont retrouvés piégés sous terre après un séisme de forte magnitude. Cependant, grâce à leurs implants d'hibernation sous Slick 2, les mineurs ont réussi à survivre sans nourriture ni aucun accès à l'eau. Puis ça, j'ai de la misère à comprendre cette affaire-là, là. Ouais, mais l'énigme que j'ai pas eu, je sais pas ce que ça fait. Ben, je pense pas que ça donne du loot. En fait, je sais même pas ce que ça donne, mais c'est dans une affaire de même que ça a bugué hier. Ben, ça, j'étais piqué à bouger, j'étais comme. C'est une fucking niaise. Sera divisé en trois zones distinctes : industrielle, scientifique et résidentielle. 10 modules résidentiels sont dès à présent proposés à la vente au prix initial de 100 millions d'euros. Est élevé, certes, mais peut-on vraiment mettre un prix sur ces
faire. J'ai le plan. J'arrive dans une seconde. Essaye de rejoindre les niveaux inférieurs. On voit vraiment rien ici. Non. Non. Y'a une caméra, il saute là. Une porte. C'est moi-même. Oui, il est où? Je sais pas comment il fait pour me voir de là-bas. Oh, tire de... Bon. Des coups de feu, ça va? Ouais, j'ai pas le temps de faire discret. Passe-toi à la loyale! Ouais, laisse-moi te looter mon tabarnak. Le dernier. Ouais. Allô? Non, ok, t'es bugué, good. Crise d'épée. Arrête de faire chier, seul. Ah!
Come on, là. Bon. Est-ce que tu finis là? Bon, je vais sauver avant que ça crash. Avec ça bug puis ça me fait chier tout à recommencer. Mais ouais. Find a way to the sub-level. Moi je l'ai trouvé. C'est juste en arrière de touche. Hello? Ok. Une petite pièce que j'avais pas vue. Ok, bye. J'ai trouvé un moyen de descendre. Tu vois ma position? Ouais, je te rejoins dans pas long. Attends-moi. Vas-y, attends-moi. Va chier. Je suis là. Il faut qu'on descende au niveau moins 2. Je parie que c'est là qu'ils la retiennent. C'est tout ça, man. Hello, boy. I think you're kind of dead. Ce chemisier. Man, est arrivé en 2 secondes. T'entends ça? Non, et là, Evelyn? Ouais, j'en suis sûre. Plein de bébés de pizza. Je vois plus rien. Merci. On n'a pas assez de méthionine pour le jeu d'aujourd'hui. T'inquiète. Ils m'ont surtout on ajoutera du RTL et il y aura quoi. Du RTL? Moi j'arrivais, j'étais comme là 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 là. C'est pour les adultes. Ce RTL, ça va pas les faire baver comme des enragés. Johnny, il est juste dans ma tête. Bon, mais il est pas assez, c'est ce que je veux dire. Mais tu sais qu'elle est juste restée plantée là, et comme... Sup, bitch! Oh. Là, moi, on dirait que les neuf ne sont que la partie visible de l'iceberg. Simplement les éliminer à ma façon. C'est comme. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai vu où le crèche. Alors tu peux me croire. C'est lui le boss, non? Alors il a la vie qu'il fait avec. Normal. C'est le boss parce qu'il peut la mettre en profond à des gonzesses. Ah. Gonzesses comme toi. On n'est plus juste des gonzesses. Maintenant on peut aussi la mettre profond à d'autres. Hé, perdre c'est pas une fatalité. Il y a un moyen d'être des gagnants. Je t'écoute. On n'a qu'à charger les caisses dans le putelet. Hein, en faisant ça? Mais putain, t'es fais où, quelque hein chose, fais putain, où je vais y passer. Putain.
c'est la fin. Mais même si j'ai le headshot, il y a du temps à attendre. Ok. Ouais. Ah! Il n'y a plus de tête, hein? L'expression perdre la tête, lui, il l'a. Ouais, c'était que ça, que c'était pas le temps de perdre, à perdre avec ça, ah ouais. Envoyez la cavalerie! Oui, la cavalerie, non, pas obligé. Non, on est bien fin de même. Ouais, il est bien. Ah, tu sais, genre 3 heures qu'on a aujourd'hui, j'en fais 40. Allez, les gars! Comme ça, enculé. On dirait que tu les as tous eus. Maintenant, direction le couloir. C'est bon, continue. Non, c'est une mission. C'est pas un donjon partout. Parce que je cherche quelqu'un, fait qu'il faut bien que je bouge dans les champs. Mais ça reste un RPG, hein. Si tu veux pas que ton RPG finisse en 22 minutes, t'as pas le choix de te faire promener un petit peu. Allô? Ouais, c'est bon! The fuck, man. Des menottes, sort, oui. Classique. Ça marche toujours. Sauf qu'elles sont en acier, pas en plastique comme les versions soft. Même si tu viens ici de ton plein gré, pour devenir une star, t'as aucune garantie de ressortir un jour. Goodbye, là, Johnny. Il faudrait au moins deux. Moi j'aime ça les coffres. Je bouge comme la mort. Ça doit être une salle de maintenance. Je vais essayer de foutre le bordel. Vas-y, amuse-toi. Je m'en vais en bas. J'ai acheté une compétence qui baisse le overheat. C'est pour ça que c'était un bon but, je n'ai pas eu de overheat. Ouais, comme là. Ouais, ça c'est 2 ou 3 fois. Ouais. Ben ça avance quand j'en ai. Hein? Ben moi, en tant que tel, non. J'ai comme 5 levels à monter. 5 choses différentes. Ils lui ont retiré tous ses organes. Ça, ça bug en ce moment. Tant qu'ils y étaient, ils ont aussi prélevé quelques organes internes. Ils ont de la suite dans les idées. Non, je l'ai scanné, c'est pour ceux qui savent. On a beau les écraser, ils continuent de grouiller comme des cafards. Je suppose que t'as fait leur connaissance. Malheureusement. Bisous ici. 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 Ok. Oh. Ah, je continue à jouer de même.
mon petit cadavre. T'es vraiment débile. Où est-ce que t'es? Près du studio, je crois. T'as trouvé quelque chose d'utile? J'ai débloqué l'ascenseur, ça devrait faciliter notre sortie. Toi, faut vraiment pas te faire chier. Une seconde, attends. C'est bon, je suis là. Il faut la retrouver. Tiens bon.
La touche pas. Si elle enregistre, tu vas lui bousiller le cerveau. Attends que je coupe sa liaison. Bon. Et dis-moi quand tu tires dessus. Je vais couper la liaison de mon côté en même temps. Ok, on y va. Ok, c'est parti. Un... 3. Putain, merci. Eve. Eveline, tu m'entends? Qu'est-ce qui lui arrive? Franchement, je sais pas. Elle doit être sérieusement traumatisée. Ça va aller. On peut la déplacer? Pas d'hémorragie cérébrale ou de... dégâts à la colonne? Je vois aucune trace de blessure. Je crois qu'on n'a pas le choix. Eveline, j'ai besoin de savoir qui t'a engagé. Sérieux, V? Ça peut pas attendre? Il faut l'emmener en lieu yeah, sûr. Yeah. Peut attendre, là. Ouais, et s'entraîner. Par où on va? J'ai condamné les portes, et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, alors. Y'a plus de loot. J'ai tout looté comme une grande. Allez. C'est beau, ça. Attends, je veux voir ce vêtement-là. Chapeau.
Elle est belle de même, là. Damn! Ça, non, pas ici. Bug pas, man. Si tu bug, je pleure. Parce que tout va parfaitement bien. Ok. Allez, quoi? C'est si dur que ça? Allez, juste une, pour moi. Ok, si ça te fait plaisir, encrasse-toi les poumons. Oh, enfin un truc plus agréable que les gaz d'échappement et la puanteur de cette ville. Me dis pas que tu le sens pas aussi. Allez, on entre. Ouais, c'est poireauté. N'est pas revenu de l'enfer pour rester planté devant une porte. Non, that's for sure. Elle s'est endormie. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés, elle a arrêté de trembler. J'aurais bien envie de l'étrangler, si elle me faisait pas autant de peine. Il faut que je lui parle. Écoute, je sais que t'as plein de questions hyper importantes, et qu'elle a les réponses. Je comprends. À ta place, je voudrais savoir aussi. Mais elle pourra pas te répondre. Elle est complètement cramée. C'est pas vrai, putain, mais j'y crois pas. Comment elle se sent ? Je te laisse imaginer. Le séjour à la centrale a absorbé jusqu'à sa dernière part d'humanité. Elle avait déjà tout donné, mais apparemment, ça leur suffisait pas. Ils en voulaient plus. Toujours plus. Elle est dans une sorte de transe, comme si elle s'était repliée sur elle-même. Elle réagit plus à ce qui l'entoure. J'avais vraiment aucune envie de fouiller dans sa tête. Mais je l'ai fait pour toi. Je voulais que tu le saches. Tu lui en veux ? Pourquoi ? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Tu dis, j'avais pas d'autre... Je sais. C'est bon. Alors, je piche pas pourquoi... Tu vas vite le savoir. Je vais te montrer les vertus que j'ai trouvées. Je suppose que tu les as déjà vues ? Ouais. J'ai eu un peu de mal à comprendre tout ça. Mais je préfère rien dire, ça pourrait fausser ton jugement. Il faut que tu vois ça avec un œil neuf. T'as pu extraire combien de DS ? Deux. Mais il y en a qu'une d'intacte et de compréhensible. Le reste... Disons que c'est okay. Dans le même état qu'Evelyne en ce moment. Une seconde, faut que je configure les paramètres. On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés. Allez, V. Je suis le premier à l'admettre. Ça se présente ma... Salut. Comment tu te sens ? Il te faut quelque chose ?
Je viens pas t'emmerder. Juste discuter. Je sais, c'est pas le bon moment, mais j'ai une question. Tu saurais pas comment retirer la biopuce? T'aurais pas le nom de quelqu'un qui saurait? Je pense pas qu'il y avait. Écoute, Evelyn, j'ai vraiment besoin de ton aide. C'est important. Si je fais pas quelque chose rapidement, je vais mourir. T'as raison, ouais. C'est une vraie perte de temps. Touche-moi pas. Oh, si c'est pas mignon. Assieds-toi. Vas-y, envoie. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. Ah, je suis déjà contente que t'aies pu les récupérer. Il faut attendre que ça charge. La qualité est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Super. Au moins t'as trouvé de quoi. J'ai juste installé le pack français, sur quoi? Puis ça a déjà bugué. Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de sécurité. 300 quelques gigs, je t'ai. Il faut la configuration complète de la pièce. La Vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages. Jette un coup d'œil si tu veux. Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais... c'est pas une lettre honneur du dimanche. Ouais. Ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. Je dois me concentrer sur quoi? Pas au procès, pas au procès, mensonge. Je dois me concentrer sur quoi? Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de sécurité? Il faut la configuration complète de la pièce. La Vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et... s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais? La biopuce? Comment tu es au courant? Ça, ça ne te concerne pas. Tu filmes la Vertu, tu reviens ici, et on te donne tes édits. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas.
C'est bien compris? Je dois me concentrer sur moi. Je n'arrivera pas à suivre Raven. Sur toute la tech que je vois. Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de... La verte, je m'occupe pas de ces messages. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. C'est peut-être pas important. Possible. Mais ils viennent tous de Pacifica. Au moins, ça réduit notre zone de recherche. Je dois me concentrer sur quoi? Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de sécurité? Il faut la configuration complète de la pièce. La Vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et... s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais? La biopuce? Comment tu es au courant? Tu filmes la... Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris? Tu dois me concentrer sur quoi? Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de sécurité? Il faut la configuration complète de la pièce. La Vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et... s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais? La biopuce? Comment tu es au courant? Ça ne te concerne pas. Tu filmes la Vertu, tu reviens ici, et on te donne tes édits. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris? Je dois me concentrer sur quoi, le petit sauce? Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de sécurité? Il faut la configuration complète de la pièce. La Vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et... s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais? La biopuce? Comment tu es au courant? Ça ne te concerne pas. Tu filmes la Vertu, tu reviens ici, et on te donne tes édits. Ton boulot se limite à ça. Je dois me concentrer sur moi. Sur toute la tech que je vois, les dispositifs... Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de sécurité... Il faut la configuration complète de la pièce. La Vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et... s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais? La biopuce? Comment tu es au courant? Je dois me concentrer sur quoi? Il me semble avoir déjà vu ça. C'est quoi? Des VV. Ça te parle, ces trucs? Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient. Mais je sais qui pourrait s'en servir. Qui ça? Peut-être les Voodoo Boys. Mais c'est qu'une intuition. Je suis pas sûr à 100%. La bande de Netrunners flippants? Ils font en sorte d'être quasi impossible à trouver. J'aurais même pas par où commencer. Et maintenant? Je crois que je suis bonne pour aller faire un tour à Pacifica. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Oh. Thank you.
La femme qui a engagé Evelyn. T'as une idée de qui c'est? J'en sais pas plus que toi. Désolée, Eve. Maintenant, on sait ce qui s'est passé aux Clouds. C'est eux qui ont voulu la refroidir. Ils ont lâché une bombe sur sa puce. C'était pour la punir, alors? Parce qu'elle s'est foutue d'eux? Elle en savait plus que ce qu'ils pensaient. Ils pouvaient pas laisser passer ça. Alors c'est à eux qu'elle essayait d'échapper. On dirait qu'Evelyn nous avait pas dit toute la vérité. Non. Tu crois? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée... Oh, je lui en veux! Son boulot, c'était juste d'enregistrer une vertu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z. Et à faucher la biopuce juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entrée en scène, qu'elle t'a engagée. Et qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Il y a un autre enregistrement. Tu veux le voir? Ouais, pourquoi pas. Plus rien peut me surprendre maintenant. Elle parle dans quelle langue? Je sais pas. En créole haïtien. C'est des voodoo boys. Attends. Je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essaie de te caler sur la fréquence du téléphone. Oui. Check ce qu'on dit de l'autre côté. Trop intelligent. Et puis... Il sait le chanson. Essaie de scanner le téléphone. Nous pouvons prendre ce risque-là. Est-ce une plus bonne idée? Très bien. Si on finit de critiquer tout ça, Cathy, on peut vous prendre travail. Oui. Vous tenez raison, Ao. Il est trop intelligent, bon. C'est bon, juste une petite seconde. Oui. Je l'ai entendu parler d'Yorinobu. C'est sûrement pour ça qu'Evelyn avait bien enfoui cet enregistrement. J'ai entendu un autre nom. Je crois que c'était... Silveren. Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ça pourrait être important. Super. Je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. Vous pouvez déjà aller? Oui. Vous tenez raison, Ao. Il est trop intelligent, bon. Ou pensez même que ça a fait un problème? Et puis, il sait le chanson pour nous payer à nous. Nous pouvons prendre un risque là. Moi, t'as ramené quoi même j'avais, oh. Que Sylvain a mené nous direct sous Alt. Est-ce que nous plus bonne idée? Très bien. Si on finit de critiquer tout ça, Cathy, vous pouvez vous prendre. Tu pouvais déjà aller? Oui. Vous tenez raison, Ao. Il est trop intelligent.
Ou pensez que mademoiselle a fait un problème? Pas qu'à quoi. Et puis, il s'est une chance à nous pour nous payer et nous pour. Nous ne pouvons pas prendre un risque là. Moi, t'as ramené quoi même j'avais, que Sylvain a mené nous direct sous halt. Est-ce que nous avons plus bonne idée? Très bien. Si vous finissez que tu es tout sans qu'à dire, nous pouvons prendre travail. A déjà allé. Oui. C'est bon, Judy, j'ai tout. D'accord, je te déconnecte. Vous pensez que mademoiselle a fait le game complet? Je devrais penser à regarder ton chat. Mais je viens de voir, là. Salut, Maisy. Oh, parle-moi en pas, Maisy. Oui, c'est buggé comme jeu, mais. Mais bon. Il travaille là-dessus. Elysium, excusez de pas avoir regardé mon chat, hein, mais j'étais concentrée. La biopuce qu'on a volée. L'engramme de Silver End est gravé dessus. L'engramme? Sa psyché numérisée, son construct de personnalité. Tu peux me laisser une minute? Je dois réfléchir à un truc dans ma tête. Ouais, pas de problème. Tu sais qui sont ces gens? Qui est la femme? Et comment on peut la retrouver? Putain, V. Je te signale que j'étais mort pendant 50 ans. Alors désolé de pas pouvoir t'apporter toutes les réponses sur un plateau chromé dès que tu claques des doigts. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Halt? Comment tu veux que je le sache? T'en as vraiment aucune idée? D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok? Elle est pas en HD. Ouais. Ok, ben bonne nuit, Elysium. Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys? Écoute, faut que je file. Je vais me renseigner. Passer des coups de fil. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Je pense que si ma salle de bain serait aussi deg que ça, je ferais une crise. Fais chier! Thank you.
Ça, c'était encore buggy, genre. Allez voir si c'est encore buggy. On va. C'est fait. Ah, c'est un peu juste ici. Je me promène, c'est Huchard, c'est là. Il m'en descogne. Hello. L'affaire, c'est que par exemple, t'es comme sur mon cell, parce que je pense pas que Discord existe sur Xbox. Ouais. Parce que rien. Tiens, tu veux voir un bug? Je vais t'en montrer un. Il est encore buggé, je pense. Hey, les informations d'Okada-san m'ont été très utiles. Excellent. J'ai aussi appris des choses de mon côté. Fallait que je récolte un body. Ce sera où cette fois? Une usine de recyclage? Une station N-carte déserte? J'ai déjà commencé la quête. Il y a un marché dans la partie sud de Japantown. Sur une passerelle au-dessus de la rue principale. Prends les ascenseurs pour éviter de te perdre. Je suis déjà en chemin. Le body est pas là. Il est supposé être drette. Déjà le body est supposé être drette là. Comme juste devant la grosse caisse blanche. Puis Marc est comme 200 mètres en dessous de la terre. Check, je vais activer la quête là parce que. Check. 200 mètres si tu check bien là. Ouais. Fait que genre, je peux pas finir ma mission. Non merci, parce que j'ai déjà été coincé en dessous d'une map dans un jeu puis je veux plus faire ça. Ben non merci. Ah. Bon ben c'est ça, sur Xbox je peux pas. Je savais même pas que ça existait. Ben c'est ça. Je vais pas me faire chier non plus. Oh shit, c'était fort, excuse. Non hein? Ben, je vais plus faire chier mon jeu, là, fait que je vais pas faire ça. Ben non, si je vais me faire ban. Ah ouais, je vais me faire ban aussi. Pick up. What? Et le jeu il meurt. What? Genre le body est rendu.
m'inquiète pas trop. Attends, ça fait 8 ans qu'ils développent ce jeu-là. Wow. Et beau, hein. Je sais pas si on m'entend parler dans le stream, là, si on t'entend toi parler en fait, excuse. Ben parce que t'es sur mon téléphone pis t'es pas sur mon jeu. Hmm? Ils vont m'entendre parler de ciel. Okay, on va faire ça, une side quest ben relax. Ouais, dans les Sims, moi je t'ai fait. T'as encore un enfant. Non, 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 t'es plus un bébé. T'es plus 10 ans, je dirais. Hey, là. T'es déjà vieux dans la vraie vie, tu peux bien vieillir dans la Salut. Vie. Je crois pas qu'on se connaisse. Je suis Claire. Tu te rappelles pas? La barmaid à l'Afterlife. Merde. Je suis partie sans payer. T'as gagné une sacrée répute au bar. Il paraît que tu serais ultra fiable. Et il se trouve que j'ai besoin d'aide. T'écoute. Il me faut un pilote pour des courses de rue. Passe à mon garage, je t'expliquerai tout. Hein? Combien? Oh, il a fait plein de gifs, ça. Vive des vies. Il est où ton garage? À Arroyo sur Valley Street. Super beau spot, tu peux pas le louper. Ok, je vais faire de mon mieux. Si je suis pas là quand t'arrives, attends-moi. Je viendrai après mon service à l'after. Ça marche, à plus Claire. Je rentre par où, Crimbin? Ok. Vive le White Bull. Hey, je sais pas par où rentrer, c'est que je suis venue. Des campagnes. Ben non. Mais non. Ah, on a la musique est forte aussi. Ah, attends, peut-être en montant ici, ça aiderait. Ben pour là, je fais juste du cyberpunk là, parce que c'est le jeu à mon chat. J'ai pas l'argent. Ouais. Ça sert à rien. Je sais où je vais. Je suis là pour me battre. Lequel de vous va m'affronter? Moi. Je m'attendais pas à un duo, mais bon. Je t'ai échappé. Alors, j'affronte qui en premier? Non, non. T'as pas saisi. Ce corps et celui-là, c'est la même personne. Pas sûr que ça me tente de. Alors quoi? Je vois double. J'étais des jumeaux. Comme t'aurais pu le deviner. Mais il y avait un lien très fort entre eux. Ils voulaient être plus proches, plus forts. Ils ont donc synchronisé leur oscillation neurale. Et maintenant... Est-ce que tu veux devenir niaiseux, c'est pour une seule personne. Personne. Deux corps. Mes corps font tout ensemble. Mm-hmm. Tout. Vous faites vraiment tout ensemble? Même au pieu? J'ai la même copine pour les deux corps.
c'est ce que tu veux savoir. Et ils la partagent. Et donc ? Il y en a un qui prend le buste, et l'autre qui s'occupe du bar. Non ! Elle est avec un corps du lundi au mercredi, et avec l'autre du jeudi au dimanche. Connasse ! Ouais, c'est ça. Oh, et s'il y a un autre de vous qui se pointe, je suis prête à le défoncer aussi. Oui. T'as la langue acérée, pas de doute. On va voir si ça t'aide quand les coups se mettront à pleuvoir. Yep. Alors, on peut commencer ? Fais voir ce que t'as dans le ventre. Mais quand toi t'es là, ça peut aussi quelqu'un. Je pas vraiment. Et toi, t'as ton compte comme ton frère ou t'en veux encore? C'est pas mon frère, c'est moi. Bordel, c'est pourtant pas compliqué. Tiens, voilà ta thune. Excuse-moi, quoi? Pas mal. T'en fais pas. Il y aura un autre combat. Arrête de parler tout seul! Oh ouais? Regarde en dessous. Bon. J'ai jamais dit que je m'en collissais. Ça, c'est toi qui dis ça pour moi? J'ai envie de sauter en bas, genre. On va saver avant. Des fois qu'on crève. Ah, ça m'a tué. Ça m'a tué. Je le savais. Hey, hier, j'ai sauté en bas de quelque chose full haut, puis genre, je suis pas morte. J'étais comme, ok. I wanted to try it again, and now I'm dead. Toi, ça? Non. Et j'ai mon 15 000 piastres. On va appeler le char, hein. Personne n'a le droit de... Mais j'ai un problème de rats dans mon quartier. Comme tout le monde, tu me diras. Sauf que là, c'est des rats de taille humaine. Et avec des gueules de Tiger Claws. Et le plus gros d'entre eux, c'est une rate qui s'appelle Taki Kenmochi. Tu peux bien rendre service à ton fixeur en te débarrassant d'elle. Je t'ai envoyé les détails. Bon, quand je conduis très bien un auto. Hein? Quoi? Plusieurs games.
Oh, je suis celle du milieu. Attends une seconde, je vais mettre un écouteur pour pouvoir t'entendre. La batterie doit être chargée. Bon, 18%, mais bon. Bon, là, je t'entends. Mais je peux pas avoir des écouteurs puis charger en même temps. Ouais. Si quelqu'un m'écrit, peux-tu juste me le dire sur le chat, là? Parce que c'est soit je te jase, soit je regarde mon stream en chargeant mon cell qui a 18% de batterie. Parce que il fait un petit peu pitié le téléphone. Pas dans les jeux, non. Dans la vraie vie, oui. Non, je chauffe pas manuel. Je suis pas d'accord avec toi. Mon gaz me coûte 70$ par mois. Un 2006. Mais moi je veux pas un auto qui me coûte 100$ par mois. C'est pour ça que je suis riche. Ouais, je paye pas plus cher. Par mois, il me coûte 70$, tu me dis-tu? Ça veut dire qu'il te coûte 100$. Mais non! $70 par mois. $70. 7-0. Did you know last gen cybers can damage your nervous system? Make sure your implant is always away from the cross. Ben non, je roule pas beaucoup avec. Non, pas ce char là. Hey Chris, you. Ok, mais moi. Je vais pas très loin avec, je pourrais aller à ma job en marchant, là. C'est juste que je suis lazy et il y a de la crise de neige. Salut Rogue, j'ai la thune. Mais je devrais... Yo, mes pneus sont de la peur marde, là. Je glisse que le tabarnak dehors. J'ai les crédits pour le job avec Hellman. Je pense pas que c'est des pneus d'hiver, je pense que c'est des pneus 4 saisons à marde. File-moi les infos. Deux verres. Pousse-toi de là. C'est mon père qui m'a mis ça. Je vais check double check demain. J'espère que tu l'as trouvé. Moi... Une
une détermination comme ça, me je me montrer, c'était comment je savais si c'était vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Oui, mais il m'a peut-être pas donné la bonne chose. Laisse la bouteille. Ben, c'est pour ça que je vais checker. Si c'est pas des bons, ça me coûtait à peu près... Serre-toi un verre. Minimum 300 piastres. Merci, mais ça me dit rien. Quoi? Qu'est-ce que t'as? C'est dommage. Tu sais pas ce que tu rates. Ben, je voulais le prendre, j'ai mal lu chose. I wanna drink it. Merci, Enix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Non, c'est 195-55-R15. Tu crois qu'elle va m'aider? La Rock que je connaissais était une connasse insensible. 5, 5, mais elle se fie 5, à son instinct. 1, 5. J'ai l'impression qu'elle pense que t'as ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as trouvé? Avec les rimes pis tout, là, oublie pas, hein. Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tianti. Une filiale de Kang Tao. Envoie-les en... Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus. Ah, j'ai vu moins cher. Tu comprends? Ouais, mais écoute, je vais quand même checker avant. Can you track him down? Le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. Ah, neuf. Mm-hmm. Wow, D'Arasaka okay. Et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux? C'est ça? Non, on n'a pas lequel? Le droit à Montréal. Regarde la description de celui-là. Une seule navire, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Ématte le chargement de la navire. Okay. Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison AMP. Soit à bord. On va mettre un AMP. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Toutes ces infos sont confidentielles. T'as juste claqué des doigts et c'est tombé comme ça. Je sais où chercher. Mais c'est et ça. Sur qui faire pression. Et puis, je déteste perdre du temps. Surtout avec des questions de stupides. Bien. Et c'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le poids à l'extraction. Oui. Regarde. Une chose que ça, moi j'ai une belle petite carte qui me fait rien de Impossible d'attaquer la navire sans que le NCPD le remarque. Et là... On est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navire de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, ben, je vais checker contre, pour être sûr, mais sinon, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. On dirait que c'est ton jour de chance. Les mortes. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Ça va déjà être la merde, rien que poursuivre cette navire. Je m'y connais pas... Je connais. Je connais pas, j'ai vu voler d'anciens modèles pendant la guerre. Ils sont énormes, mais rapides. Et ce modèle-là a des défenses next-gen. On le tirera pas comme ça, même avec du gros calibre. Aucune chance que ça marche. C'est pas une question de puissance de feu. Il y a d'autres moyens et des gens qui les connaissent. Ou qui peuvent improviser dans cette situation. Un autochtone. Tu connais des mères qui collent au profil? Une seule. Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, ouais, je mais pas c'est une vraie nomade. De ce char-là. Elle connaît ce coin. Il va bientôt mourir. Et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée. Oh, ouais. C'est pas mais très c'est engageant. Ce char-là, il va mourir. Ni pour elle, ni pour moi. C'est peut-être deux ans. Il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Étrange. Je pensais que les nomades s'approchaient pas des villes. Ni de ceux qui y vivent. Ça dépend des clans, de leurs connexions et de la merde dans laquelle ils sont. Mais t'as raison, les Aldecaldos refusent de faire affaire avec la ville en général. Paname voit les choses différemment. J'ai déjà deux. Ouais, j'ai deux paires de différemment. Ouais. Pourquoi Paname devrait m'aider? Elle est où l'arnaque?
Hein, j'ai deux transports de la marchandise chaque, pour moi, de temps à autre. Fait que j'ai son genre dernier boulot, pneus, mais disons genre, que c'était pas son jour. Je pense, on pense que c'est une fois des 4 saisons. Un foirage complet, vite, plutôt. Vite pneus, elle a 4 perdu saisons. La marchandise et sa bagnole. Madame fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Ben, je sais. Tu m'as envoyé du site? Attends, tu le sais, mais t'as rien dit à Panam. Tu veux jouer au chat et à la souris avec moi aussi? Je m'efforce de repérer les opportunités qui se présentent. Et de les saisir. Si je lui avais tout raconté, à ton avis, elle aurait fait quoi? Elle aurait pris son crasheur et foncé dans le tas. On sait bien comment ça se serait terminé. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est perdre des gens bien pour ce genre de conneries. Ah, je vois. Je suis sa seule option, et elle la mienne. Deux pions sur ton échiquier. T'es plutôt futé, pour un pion. Vé. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Panam sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Attends une seconde, je t'entends. Allez, foutons le camp d'ici. Oui. Ok, ça me va. Merci. Bonne chance. C'est ça. Je me calise la qualité, il peut glisser autant. Je veux juste pour la police machin. La loi et l'ordre. Pourquoi n'est pas le colonel? Ouais. On est sûrement plus à l'abri ici. Ouais, c'est ce que mon père m'a dit. Dis-moi quelque chose, Sean. N'importe quoi. Comment ça, tu peux pas venir? T'as plutôt intérêt. Ça, 5 minutes pour amener... Ton cul à... Ok. Tu sais où je suis pour appeler, donc? Mais dans le jeu... Merde! Hein? Fumeuse. Attends. Non, t'as pas... Non, come on. Ok, tu vois des astronautes, là, dans le fond. C'est bon. Hier, ok, ça, le jeu a planté, puis mon stream, après, il a planté aussi. J'étais comme, va chier. Yo, ça fait deux fois que le jeu me forme d'en face. J'suis comme, va chier. Une purge. Il est à 15.
Salut, salut, Night City! Ravi de vous retrouver. Mon invité ce soir est le lieutenant Sarah Krakowski, porte-parole du NCPD. Bonjour ma belle, bienvenue dans l'émission. Bonjour Ziggy, merci de m'avoir invité. J'espère que vous n'avez pas eu de mal à rejoindre le studio. Pas de carjacking ou de fusillade en chemin. Heureusement, les rues de Night City sont un peu plus sûres chaque jour. Moi, c'est cette affaire-là que tu peux pas skip qui fait chier un peu. C'est comme go. Eh ouais. Il y a un soulier. Deux souliers. Des canottes. Des posters. Des écouteurs. Pardon? Hein? Vous avez dû entendre parler des coups de feu près de la sortie de la route 1, non? L'unité d'intervention. Comment ça, tu peux pas venir? T'as plutôt intérêt! T'as 5 minutes pour ramener ton cul avant que. Merde! Hé! Hey. Ouais. Ben, ça, je retourne travailler. Mais quoi, je me lave pas, d'ailleurs? Fuck all le maquillage en face. C'est que t'es épais pis ça a pas de sens. Et ça crame. Je sais pas, hein? Arc. Tu vois pas ça tout seul au complet, là? Pas une soirée, j'espère. Non, mais ben, bois pas trop, là. C'est pas bon, boire trop. C'est pas bon pour les reins. C'est ça, le foie, excuse. Je vais gerber. Allô? Madame? C'est V. Hein? V? Il a pas planté. V qui? Et puis comment t'as eu ce numéro? J'ai rien fait. Par Rogue. Non, tu vois, super. Je travaille, je stream, je dors, je travaille, je stream, je dors, je travaille, je stream, je dors. Ouais, je dors quoi, peut-être 4-5 heures. On se reparle plus tard. I don't know how I do it. Ce qui se passe entre Rogue et toi, j'en ai rien à battre. J'ai un boulot de proposer. Génial. Mais je suis un peu débordée en ce moment. Avec la marchandise et ta caisse, c'est ça? Tu veux les récupérer? Je peux t'aider. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. Moi, je on sors se retrouve là-bas. Pas okay, de ça chez marche. Nous à part pour aller travailler. J'ai pas d'amis. Ah oui, je peux. Je vais être obligée de l'avoir. Je vais être obligée. Non, mais je vais être obligée, je travaille dans le système de la santé. Non plus.
En tout cas, je veux pas apprendre un batch. Si, il est instable, son esti de vaccin. Ils le disent eux-mêmes. Oui, il est instable, ils le disent eux-mêmes. Va chier. Va arrêter quoi? Ah non, il n'y a pas ça, arrête. C'est niaiseux. T'es épais. Ben oui, ça se voit. Mon chat, il en a une, esti, t'as ça. Je pensais que mon chat avait de cancer, pis... Ouais, mon chat, il y a ça dans le cou, esti, pour le retrouver si jamais il se perd d'or. Je te dis, c'est gros de même. Ils vont me courir longtemps après parce que je peux te dire qu'ils vont pas me retoucher. Ah, il va me faire frapper! Complotiste à faire du tailleur. Mais non. Hey, je peux courir 2 km. Hey, t'arrêtes-tu là? Ah, c'est ta tante, justement. Un peu, oui. Elle est juste... Je le veux pas parce qu'il est instable. That's it, je vais le prendre plus tard. Ben, il est instable, justement, c'est là que tu veux pas le prendre. Ben, moi, j'aurais pas le choix à m'amener. Je travaille dans le système de la santé, il nous oblige. Heureusement, non. Fais je tourne ici. Ah oui, tente-toi. Ouais, parce que c'était pas une. Ouais, mais t'es pas une, parce que ce que je sache, t'as pas de verre. Bon, ben, tu vois. Ah! Je me suis fait frapper. Il y a un chat qui m'a foncé dedans. Non. Je vais en entretien ménager. Et ouais, ça te dérange? Moi, je fais ce que je peux. Ben, je peux pas vraiment dire ça, je suis comme en live, hein. Je vais pas dire à tout le monde où c'est que je travaille et où c'est que j'habite, hein. Vu qu'on va bosser ensemble, je me suis dit que j'allais t'appeler. On m'appelle El Capitan. Et toi, c'est V. Même pas besoin de me présenter. Je dois filer, à plus. Vous parlez de quoi déjà? Même pas besoin de me présenter. Tu l'as déjà fait pour moi. Quand on me confie un boulot, je m'en occupe à fond. Okay. Je mange, je dors et je respire boulot. Souviens-t'en. À vos ordres, mon capitaine. Bon. Pendant que je te tiens,
Et si t'as besoin de changer de caisse ou de bécane, j'ai tout ce qu'il faut, et pour pas cher. Donc tu viens me voir quand tu veux, ok? Juste pas être Salut. Sur l'île de Montréal, mais on peut pas être trop loin non plus. Tu dois être V. Elle est où ma caisse? Pourquoi? Elle est pas bien celle-là? Je l'ai empruntée, elle est pas à moi. Je t'ai demandé où était la mienne. Aide-moi et je te le dirai. Mais mon cul, ouais! Tu crois que je vais te laisser te servir de moi? Dis-moi où est ma caisse! Dis-moi hey, où est ma doux. Caisse. On se calme. Me donne pas d'ordre, ok? D'accord. Je sais où trouver la marchandise et ta caisse. Mais si tu vas seule, tu la récupéreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Alors, on a qu'à trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux? Je dois attaquer un convoi Kang Tao. Ce sera pas facile. Je veux savoir si je peux compter sur toi. T'as complètement pété les plans ou quoi? Est-ce que je veux bosser avec toi ou tu parles du boulot? La navire Kang Tao est censée survoler les plaines Jackson. On m'a dit que ça devrait nous aider. Ouais, je crois pas, non. Il y aura un type à bord. Je dois lui parler. Non mais je rêve. En échange, t'auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok? Je sais pas. Moi, je vais y sacrer ça, ok? Très bien, marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma Sorton. Alors, elle est où? La marchandise t'intéresse pas tant que ça, en fait. Je m'en fous de la marchandise. Avec ce pick-up, je peux prendre tous les boulots de livraison. Sans lui, la seule chose que je peux transporter, c'est les pizzas. Et encore. Tifa! Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est, à ce qui paraît. Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Moi? Je vais t'étrangler. Allô? Elle? Non, elle s'appelle Tifa. Mm-hmm. Belle, la petite cocotte. Un petit chaton. Mm-hmm. Mais un bébé. Ouais, c'est ça. T'es pas opéré en plus. Pas de suite. Elle est trop belle. Non. Ben j'ai pas de mal. Non opéré, t'sais, mon autre chat lui est opéré, fait que je peux pas faire de bébé avec elle. Moi qui l'ai fait opérer, je l'ai eu, il était déjà opéré. Il vient de la spéciale. Ben, il vient de la spéciale. La spéciale fait automatiquement, puis lui, j'avais pas le choix de l'opérer de toute façon. Non, ben non. C'est cruel d'égriffer un chat. Ben c'est ça, c'est cruel. Tu fais pas ça. Oui, c'est cruel. Non, c'est pas pantoute pour ça. On dé... D'autres. Hey, on dégriffe pas un chat parce que c'est comme il a amputé toutes les premières jointures de tes mains. Regarde tes mains, là.
toute la section que t'as des ongles, c'est ça qui arrache. Il y a un peu de ton chat. C'est ça qu'ils font. C'est juste pour ça qu'ils le font plus, parce que c'est cruel. C'est tout. Non. Pas en tout. C'est pas vrai. Ben, Chris, là, j'ai étudié là-dedans. Fait que, regarde, je peux te dire que c'est pas vrai. Je suis pas vétérinaire. Non, je vais être assistante vétérinaire. J'ai pas l'argent pour ça, puis j'ai pas le temps pour ça. J'habite pas chez mes parents. Tifa? Oui! Nash, c'est un tchoum à toi? T'as fait un mauvais plan? C'est pas mon tchoum. Ok, disons partenaire. Plus maintenant. Ce Shiv m'a fait un coup de pute. Deux lézards de Il a chouré mon pick-up et la marchandise. Et là, il compte sûrement la fourguer à Rocky Ridge. Il peut se toucher s'il pense que je vais le laisser faire. Alors en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Chier. Bon. On aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. Tu peux savoir où ? Une seconde. J'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cet enfoiré. Elle peut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Waouh, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hey, salut boss. Nash doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Buzz, je vais m'en occuper. Moi, je fais rien. Je te demande juste de me laisser une chance. Buzz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs? Et combien de fois j'ai merdé, hein? Oh, ça me tente pas d'aller à l'université. Je te donne ma parole. C'est un peu trop cher. Non, merci. Cette nuit? Ok. Oui. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointe pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde? Mais oui, évidemment. Merci, Bud. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. C'est pas aussi facile que ça. T'as donné ta parole à cet abruti et il t'a cru? Ouais, ça te surprend. C'est toi qui niaise. Ça s'appelle avoir une réputation. Tu devrais t'en payer une un de ces jours. Buzz? Vista del Rey, Buzz? Je savais pas que tu roulais pour les Six Street. Quoi, c'est interdit? Non, ça me pose aucun souci. Toujours d'ardent défenseur de la bannière étoilée des valeurs patriotiques. Peut-être bien. Mais je m'en tape. Il paye bien. C'est pas plus compliqué. Alors, où on va maintenant? Au camp des Aldes Caldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Rogue m'a parlé de tes... Bah voyons, si Rogue le dit, alors ça doit être vrai! Ça l'est pas. Tu commences à me gonfler. Oh, ok. C'était qu'une mini embrouille. C'est toujours ma famille. Donc, c'est compliqué. Mmh. On peut dire ça. Mmh. Ouais. Tu penses qu'il y a une chance qui nous aide pour Rocky Ridge? Ouais, c'est le plan. Ok, en route. Monte. Pas la caisse. Pratique et spacieuse. Oh, ça va. Spacieuse, je dirais pas ça. Il est où exactement ce camp? Juste en dehors de la ville. On prend la 9 et après on va vers l'est. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parle pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Et toi, tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la Navi? Ce clown a des infos dont j'ai besoin, et il me les faut super rapidement. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash? Rogue, elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, j'en ai plus qu'on vient, là. T'as de la misère à parler, t'en as plus combien? Rogue est la reine de l'Afterlife. Elle joue ses pions comme ça l'arrange. Tu viens de me traiter de pion, là, non? Je l'ai bien observé. Si elle est arrivée jusque-là, c'est parce qu'elle sait sonder les gens. Savoir quelle info garder pour soi, c'est un atout dans son métier. Pour moi, c'est une connasse, menteuse et manipulatrice. C'est elle qui m'a mise en contact avec Serafen, tu le savais, ça? Quoi? Nash est un Raffen? Ouais, il bosse avec les Wraiths, le plus gros groupe de Raffen du coin. T'as entendu parler d'eux, pas vrai? Ouais, des nomades qui se sont fait éjecter de leur clan. Ah, il y a pas un truc parce que je bois très rarement. Les nomades bannissent pas les leurs sans raison. Alors imagine, des meurtriers, des violeurs, une belle brochette de tarés. Ils forment des groupes, même des vrais gangs parfois. La plupart sont en cavale avec un avis de recherche au cul. Putain. Et cette salope m'a fait travailler avec ses racleurs. Quoi? Nash est un Raffen? Ouais, il bosse avec c'était les Wraiths. C'était passé de... Le plus gros c'était groupe de Raffen du coin. C'était passé de complotiste. T'as entendu parler d'eux, pas vrai? Ouais, des nomades de qui se sont fait éjecter de leur clan. Puis de parler ouais, de... encore ma vie. Les nomades bannissent pas les leurs sans Charles, raison. Charles, je suis là, deux secondes. Des meurtriers, comme... des violeurs, wow. Une belle brochette de tarés. Ils forment des groupes, même des vrais gangs, parfois. La plupart sont en cavale avec un avis de recherche au cul. Putain. Et cette salope m'a fait travailler avec ses raclures. Voilà. Elle devait avoir ses raisons. Non, sans blague. Rogue est pas du genre à ouvrir la bouche sans avoir pesé le pour et le contre. Ce qu'elle doit dire... Ok, on y est presque. On rassemble mes choums et on file à Rocky Ridge. Ben voilà. Regardez ce que le bon vent nous amène. Un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours? Je t'emmerde, moi aussi. Et c'est qui, ça? Ma babysitter. V, je te présente Scorpion et Mitch, deux vieux amis. T'aurais peut-être pas besoin de babysitter si t'avais pas perdu ta marchandise et ta caisse. La ferme, V. Tu déconnes. Ta petite sœur Tone adorée a fini par rendre l'âme. La salte de Night City a eu raison d'elle. Non, elle se l'est fait tirer. Mais ça, il fait quatre fois merde. Que tu le dis, Dodo. Qui a osé faire ça? On s'en fout. Je vais la récupérer. C'est pour ça que je suis là. Les Raffens m'ont baisé la gueule. Alors je vais m'occuper de leur cul. Mais j'ai besoin de votre aide. Allez, venez avec moi. À nous quatre, on peut se les faire. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider, là? Le vieux nous a dit de pas bouger, et de remettre ses générateurs en marche. Et les batteries sont mortes. Des générateurs? Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs? J'ai oublié toi, arrêtez stream, though, fuck. On va se démerder sans eux. La ferme. Je vais aller prendre ma douche, puis après aller dormir, ouais. Allez, Mitch, fais pas ta pute. Aide-moi. Ben, non. Cette fois, ils ont besoin de nous, ici. Putain! J'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit? Non, vous en avez rien à foutre de moi. Panam. C'est pas Saul le problème, c'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ben, des fois je me lave en arrivant, puis... Ok. C'est pas tes affaires. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok? Ouais. Merci, les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille.
Tu vas devoir me supporter, allez, on dirait. Au boulot. Bah quoi, t'es déçu? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Bah, c'est ça pour tout le monde. Mon chum, il prend sa douche le matin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On n'a pas que ça à faire. Fait que moi, je la prends. Oh. Salut, Panam. Tu vas rester un peu dans le coin? Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Vous êtes qui? Salut, Panam. Putain de merde! T'as amené une nouvelle. Saul est au courant? Ça, c'est pas tes affaires. J'aimerais bien être sur la route. Non. De nos jours, être blessé, c'est une punition. C'est fait quoi? Oh. Ouais, j'avoue. Non, t'as son père, c'est sûr, ça fait mal. Écris, j'aime bien son nom, merde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. Derrière un requin, mais je pense pas. Allez, que c'est ça. On se casse. Vous avez réglé vos différends avec Saul? Tu vas revenir? Bye. Panam, tu passes me voir après, hein, chérie? Une autre fois, Ellie. Promis. Mets-la dans le coffre! Mais je veux bien, mais... Faudrait que tu me rouvres la valise, merci. Ouais, ok. On peut y aller. Monte. J'en sais rien, ma chérie. Pour l'instant, je suis avec... Bon, j'y vais. Ouais, ouais. Allez, vas-y. Je sais que je peux pas simplement... Mets-nous à l'occasion. Je vais la bien. Apparemment, t'as vraiment un gros problème avec l'autorité. Quoi? D'abord Rogue, maintenant Saul. Ton chef, c'est ça? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Mission lourde complète. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient dans les salles des Kaldos. On prendra un nouveau départ. Et tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tente sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincue qu'il va mener le clan à sa perte. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul. Mais le clan peut savoir tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs. Ils tiennent à toi. T'entends même pas. T'as quelqu'un que tu considères comme un proche, toi? Pas pour l'instant. Mais non. Mais ça va peut-être pas tarder. Ok.
Ils étaient dans l'armée, tes potes? Non, t'as pas Scorpion attendu. Et Mitch? Ouais, c'était les Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Les Panzer Boys? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtard et un tas de cauchemars bien tordus voilà. Pour aller avec. Putain, les aides, c'est ce que je crois. Rocky Ridge, paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City. T'as écrit dans les arrêts. Ouais, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement d'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Il y a combien de villes fantômes comme ça? Maple. Des centaines? Dans tout le pays? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Il n'y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Les virevoltants et le sable qui balaye la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur. Mais dans un gémissement. C'est pain doré, niaiseux. Pain doré. Non. Ok, on y est. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à accueillir les Raffen. Et on n'a pas beaucoup de temps, alors... Une chose que personne ne vous entend. D'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. Une chose que personne ne vous entend. Ça lui dit bien en même temps. Je vois pas comment Rocky Ridge pourrait être plus mort. Tout est HS, y'a rien qui marche. Sauf moi. Moi, je vous entends, fait que faites attention. Hey, fais attention à ce que tu dis, toi. Alors, t'as trouvé quelque chose? De côté, là. Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. Eh ben, on va changer ça. Les Raffen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un peu de jus. Jetons un œil au poste de transfo. Ok. Je pète du carton. On n'entend même pas de vite. Ouais. HDMI. Les vies, c'est ça. Peut-être pas trop attaches.
J'ai trouvé les disjoncteurs! Ils sont à court de jus! T'inquiète! Redescends! J'ai une idée pour surprendre ces connards! Ok, alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo, d'accord? Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et boum, tout va s'allumer! Ça va être Noël! Bonne idée. Faut qu'on remette le courant. Je vais chercher les points d'accès. Super. Ils vont sûrement se pointer en nombre. Difficile de dire combien. Faut qu'on soit plus malin qu'eux et qu'on trouve un moyen d'arriver au pic. Yep. T'inquiète. J'ai quelques idées. Je vais leur préparer une petite surprise au croisement. Super. C'est parfait. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Attends-moi près du poste de transfo. Je vais ramener la caisse. Bon. Guys, on va arrêter cela pour asseoir. On va revenir demain. Je commence à être fatiguée, fait qu'on va finir cette quête-là demain. Sans faute. Et vous pourrez revoir les vidéos sur mon YouTube. Je vais vous mettre le lien juste ici. Puis vous pouvez joindre aussi mon Discord si jamais vous voulez venir chiller ou peu importe. Ça va me faire plaisir. Donc passez une bonne soirée et à la prochaine tout le monde.